Selon l'indice des directeurs d'achat de S&P Global, qui est tombé à son plus bas niveau depuis 18 mois en août, il se situe à 48,9 et tout chiffre inférieur à 50 indique une contraction de l'économie. Le mois dernier, le chiffre était également inférieur à 50. La zone euro est confrontée à un taux d'inflation record de 9,1%. Elle devrait relever ses taux d'intérêt cette semaine pour faire baisser les prix. Mais cela signifierait des coûts d'emprunt plus élevés pour les entreprises et les consommateurs, aggravant ainsi leurs difficultés économiques.